le sentier de neige pour à la vallée où danse un cortège des sapins gelés. Et restez bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux et la lune claire nous rendaient heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la baie des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la baie des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la baie des bois. La neige en poème fondait le sentier
de neige pour la vallée, ou dans un cortège des sapins gelés. Et restez bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux et la lune claire nous rendaient heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la baie des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait le sentier de neige pour la
cortège des sapins gelés. Et restez bien sages, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux et la lune claire nous rendaient heureux. Je t'ai dit, je t'aime. Ça sera pas long, les gens. Je suis en train d'arranger un peu ma page. La neige en poème. Je vous dirais que ma page YouTube en ce moment, il est un peu en désordre. Fait que là, je suis en train de remettre en ordre. Ça va pas me prendre ben du temps. Après ça, on va commencer du DC parce que là, j'ai rajouté des nouveaux affaires sur mon YouTube. Sinon, faudrait que je le fasse vraiment. Faudrait que je le fasse un peu plus tard, mais c'est parce que si je finis tard, j'aurai pas le temps de le faire. Puis je veux vraiment faire un ménage parce que je commence à être tanné de voir ça tout croche, tout mal. Fait que ça sera pas long. Profitez de la musique en attendant. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait. What the fuck? J'ai 3 vidéos pareilles. Je comprends pas que j'ai mis 3 vidéos pareilles. Pendant les gens. Oh, la musique elle a arrêté. Attendez, donnez-moi 2 petites secondes. J'ai quand même joué longtemps à Pokémon Arceus. Je pensais pas que j'avais autant joué que ça à Pokémon Arceus. D'ailleurs, je voudrais que je m'y remette parce que je n'ai pas terminé Pokémon Arceus. Fait que je vais continuer des streams là-dessus. Le sentier de neige pour la vallée où
danse un cortège des sapins gelés. Et restez bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux et la lune claire nous rendaient heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime, dans la baie des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait non Le sentier de neige courra la vallée où dansant un cortège des sapins gelés. Et restez bien sage, témoin d'un baiser que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux et la lune claire nous rendaient heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas.
ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime, dans la baie des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime, dans la baie des bois, la neige en poème fondait. Le sentier de neige pourra la vallée, où dansant un cortège des sapins gelés, est resté bien sage, témoin d'un baiser, que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux et la lune claire nous rendaient heureux. Je t'ai dit, je t'aime, dans la baie des bois, la neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige,
si pur et si doux. Depuis, protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la baie des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la baie des bois, la neige en poème fondait. Le sentier de neige pour la vallée, où dansant un cortège des sapins gelés, est resté bien sage, témoin d'un baiser, que sur ton visage je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux, et la lune claire nous rendait heureux. Je t'ai dit, je t'aime dans la baie des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige,
si pur et si doux. Depuis, protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la baie des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois, la neige en poème fondait. Il y a une vidéo qui vient de sortir de mon... de neige ouais. Ils viennent d'avoir sortir une vidéo, c'est marqué stream de Splatoon 1 qui viennent de sortir aujourd'hui, mais Chris, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens! Que sur ton visage je t'avais volé les fleurs. Pour rien, ce sera pas long. Deux petites secondes. Couvrant tes après ça, on commence le jeu. Je vous promets. La lune claire nous rendait heureux. Je t'ai dit, je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige,
si pur et si doux. Depuis, protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la baie des bois. La neige en poème fondait sous nos pas. Ce sentier de neige, si pur et si doux, depuis protège notre amour jaloux. Je t'ai dit, je t'aime dans la baie des bois, la neige en poème fondait. Le sentier de neige pourra la vallée, où dansant un cortège
des sapins gelés. Et rester bien sage, témoin d'un baiser. Que sur ton visage, je t'avais volé. Les flocons de neige couvrant tes cheveux et la lune claire nous rendaient heureux. Je t'ai dit je t'aime dans la paix des bois. La neige en poème fondait nos pas. Ce sentier de neige si pur et si doux. Hey! Allô tout le monde, on va commencer ça, ce beau petit stream là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Moi je suis tout à fait d'accord de commencer ça à l'instant même. Je suis désolé, hein, je reviens beaucoup souvent. Là, je vous reviens parce que j'ai pas fait quelque chose. Fait que je vous reviens, ce sera bon. On commence tout ça, ce petit jeu-là. On va commencer ça à l'instant. J'essayais de faire un peu un ménage dans ma chaîne YouTube. Je vais vous expliquer un peu en fait qu'est-ce que j'ai fait. C'est que j'ai rajouté des petites... J'ai rajouté des petits onglets pour être plus facile à comprendre comment c'est, tu sais, à quel jeu je jouais et tout, pour être un peu plus facile à se retrouver, parce qu'on s'entend dessus que c'est pas facile à retrouver. Donc, combien d'épisodes j'ai rendu à faire sur DC avec mes Pokémon, et ça fait, je vous dirais que jusqu'à date, ça fait à peu près, j'ai calculé, il y en avait à peu près 5. 5 épisodes du DC Universe Online. Mais on va commencer ça à l'instant parce qu'il y a toujours des mises à jour, il y a toujours, etc. Il y a toujours des petites nouveautés, des petites affaires. Vous savez, un petit peu, tu sais, moi j'ai la manie de... J'ai la manie que là, j'ai tout mis ça sur le même écran. Donc, ce que je disais donc, c'est... Vous savez, tu sais, j'ai calculé combien de streams je faisais ça. Puis pourtant, je trouve que j'en ai pas fait beaucoup de streams sur ce jeu-là. Pour vrai, ça m'étonne que j'aille pas fait autant de streams que ça. Je pensais que j'en avais fait vraiment beaucoup, mais en fin de compte, j'en ai pas fait beaucoup, pas en tout. Là, donne-moi deux petites secondes, je vais juste rectifier mon tir. Mon petit bonhomme, il est correct. Est-tu correct? Non, pas vraiment. Là, il est correct. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas joué longtemps, mais aujourd'hui, on va faire l'événement de Noël. Fait que ça va pouvoir peut-être prendre plus de temps, moins de temps. Je sais pas si vous, Angel Suki et Kiwi Fan du Québec, je sais même pas si Kiwi Fan du Québec est là, je pense qu'il est pas là. Mais je sais pas si, est-ce que vous avez réussi à downloader un peu, parce que là, moi, en ce moment, mon ordi vient d'avoir une erreur en disant « Ah, ben là, il y a trop de mémoire. » Ah, regardons ça. J'ai trop de mémoire dans mon ordi. Pas nouveau. Ça fait longtemps que j'ai de la mémoire à saturer sur mon ordi. C'est ça, mon problème. C'est que faudrait que j'aille un autre ordinateur de jeu
pour avec plus de mémoire, plus d'affaires. Même si mon ordi est bon, avec ce qui l'est en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais me mettre pour l'instant en file d'attente. J'aime. Vous avez mon béguin là-dessus pour ce jeu, je l'adore. Je sais pas, toi, Angel Suki, t'as le jeu. Est-ce que tu l'as installé? Je sais que t'étais en train de l'installer la dernière fois. Est-ce que t'as réussi à l'installer? Si oui, est-ce que t'as réussi à le démarrer ou pas encore? Ou ça t'intéresse pas plus que ça? Ça se peut que ça t'intéresse pas plus que ça. Moi, je mets pas ça. Je mets pas ça dans l'univers non plus. Je mets pas ça dans l'univers. Ça, c'est juste là. Je mets pas ça pour t'obliger à venir jouer. C'est juste que j'adore, tu sais, le fait de jouer à mon petit Pokémon. C'était des mises à jour. Ouais, tu devais en avoir pas mal des mises à jour. Sans joke, tu devais en avoir pas mal des mises à jour, là, sérieusement. Je vais juste rectifier un petit, tu sais. Oui, ça doit. My God. Ça doit, mon Dieu. Hey, je vais juste rectifier mon tir parce que là, mon bonhomme, il est pas... Ah. Il devait en avoir beaucoup. Moi, j'en ai eu pas mal à faire, là. Mais là, je l'ai fait quand même assez régulière. Là, tu vois, là, la dernière mise à jour, il me disait « Ah, ben non, on peut pas... On... » la dernière mise à jour qui me disait, c'est vous pouvez pas faire votre la dernière mise à jour, c'était vous avez pas assez de mémoire. J'ai pas eu assez de mémoire pour faire la mise à jour. J'ai fait, de quoi tu parles? J'ai pas assez de mémoire. Ça m'a toujours fonctionné. Il fonctionne, là. Mais pour l'instant, je vais faire découvrir un peu mon petit coin de Noël. Je pense que c'est la même que l'année passée. Mais c'est pas grave. J'aime ça vous faire découvrir ce jeu-là. Surtout que là, c'est ma propre idée. Mais t'as-tu fini les mises à jour, Angel Suki? Tu dois pas avoir fini les mises à jour encore. Check ça, l'arbre. Comment qu'il est beau. Hey! Ah, je peux pas. T'as fini? Oh my God, ok. Je savais pas. My God, ok. Puis, ça te tente-tu? Moi, je te dis ça de même, là. Ça te tente-tu de venir? Moi, je te dis ça juste de même, là. Ça te tente pas? Dis-moi, allez, je vais... Ça te tente, dis-moi, Lee, c'est justement le festival de Noël. Ça te tente pas, pas de problème. Ok, c'est bon. Excellent. Donc, vous savez, moi, mon béguin avec Pokémon... Sérieusement, moi, mon béguin avec Pokémon, puis j'ai fait 5 épisodes hein, de ça. J'ai fait vraiment 5 épisodes de... je les ai toutes calculés. J'ai fait 5 épisodes de Pokémon. Ça, c'est ma 6e épisode. Ben, ma 6e épisode, pas vrai. C'est ma 6e... ma 6e fois que je joue avec vous autres en stream sur ce jeu-là. Mais, savez-vous quoi? Ouch. Savez-vous quoi? J'aime vraiment... tu n'as pas... Ah, merci. Ce que j'aime, c'est qu'ils ont
tout changer. Ça, c'est ce que j'aime. Pour vrai, là, c'est ce que j'aime. J'aime ça qu'il ait tout changé. Puis mec, il y a d'autres mondes qui vont être capables de se joindre parce que ça joue en équipe. Tu me fucking niaises là. J'ai pas attendu le thing en même temps mon chargement là. Calice. Chris! Je vais accepter! Ah, si ça, ça me fait chier. Merci. Ça fait 5... Oui, il me restait 20 secondes pour accepter l'instance. Ça, c'est ce qui me fait chier parce que... Ben, c'est ça. Comme... Ce qui me fait chier, c'est que dans ce jeu-là... là, vous allez avoir en primeur la mission de Noël. Moi, ça me... Personnellement, ça me dérange pas de pas le voir parce que moi, je l'ai déjà vu 10 000 fois. Je vous dirais que là, c'est les héros et les vilains sont tous ensemble pour sauver Noël. Fait que c'est ça, ils ont fait ça, là. Ils ont mis les héros et les vilains tout en même temps. Moi qui est prédateur là. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Là. Quand même 34, hein? On s'entend dessus. Ouais, j'ai monté de niveau rapidement dans cette instance. On est tous des dégâts. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voyez-vous, l'Arfleez veut contrôler un peu. C'est Orange Lanterne, premièrement. Puis les Orange Lanterne veut contrôler Noël. D'ailleurs, nous autres, on empêche pour qu'il contrôle Noël parce qu'il faut pas qu'il contrôle Noël. Parce que s'il contrôle Noël, on va être fait. Donc, là, il faut qu'on. Avec les amis en plus, c'est comme parfait. C'est juste excellent. Là, je vois plus. Je me voyais plus. Moi, personnellement, perso, et Green Lantern. Fait que la Freeze, c'est Orange Lanterne qui voulait détruire Noël. Pas plus compliqué que ça. Nous autres, éventuellement, nous autres, notre but, c'était de quoi? C'était de l'empêcher de détruire
Noël, éventuellement. Donc, on a réussi. Puis là, ben, avec ça, on gagne des exploits, on gagne des joujoux, on gagne des feuilles de houx. Avec les feuilles de houx, on s'en va ici. Et on peut acheter des équipements, des murs et tout ce tralala là. Ils ont même mis des petites affaires. Mais pour moi, ce que je voulais avoir, parce que j'en ai quand même beaucoup, moi que je veux avoir là, c'est des équipements pour mon bonhomme, des emote, puis pour vrai, ça serait comme génial. Malheureusement, il faudrait que je le fasse souvent. Puis je le fais pas souvent. Mais il faudrait... Ça, c'est une instance que je peux faire en tout moment, là. Puis ce qui est le fun avec ça aussi, c'est que c'est garde des bains. Je vais juste vous montrer... Ananas souris. Vous avez la possibilité de débloquer ça. De débloquer des pulls. Amélioration de radar aussi. Pour améliorer mon radar, qu'est-ce que je viens de faire là, je sais pas. Puis, on vient d'avoir des cookies qui peuvent être consommables. Je vais juste te mettre ça là. Qui peut être consommable. Puis t'as des bombes Troumoussant qui est au niveau 30, qui est quand même pas si pire. Mais pour vrai, c'est une instance de Noël que j'aime bien, que j'adore. Pour être honnête, j'adore. Pour vrai, j'adore cette instance-là. Je vais, par contre, parce que oui, il y a des par contre. Non, c'était pas là que je voulais aller. Ouais. Par contre, c'est juste dans le temps de Noël que je peux faire ça. Là que ça, je vais te le garder là en attendant. J'ai aussi débloqué. C'est quoi? Oh, excusez-moi. Puis oui, éventuellement, t'as des clans. Ça, c'est pour m'enregistrer dans la pierre solaire. C'est pas payé. Pierre, l'énergie polaire, je veux dire. C'est pas payé. À la collection d'énergie polaire, fait que c'est pas payé. Puis ça, je vais te mettre ça à place de... Non, pas des cookies. Mets ça à place de nuit. Exactement. Toi, mets-moi ça là. Ok. Ensuite de ça, fortifier. Est-ce que je peux... Non, j'ai rien, hein. Non, c'est ça. Ok. Fait que c'est là ce qu'on va faire. On va faire ravage à l'hôpital. Ah, tu t'en occupes. Parfait. Il semblerait que mes patients de l'aide des méta-humains à l'hôpital de Métropolis Générale résistent aux traitements expérimentaux. On le saura pas. Puis pour vrai, là, ce que j'ai marqué, même sur mon YouTube, ce que j'ai marqué comme quoi que... Parfait. Comme quoi que... Que mes patients de l'aide des méta-humains à l'hôpital. Comme quoi que ce jeu-là était de... Je dirais très bien qui est comme j'ai dit, j'ai marqué même sur YouTube, j'ai marqué une idée créée par moi qui est de faire un super héros et une super vilaine en Pokémon, en forme de Pokémon. Pis c'est pour ça que j'ai marqué un peu dans mon titre aujourd'hui DC plus DC plus Pokémon égale une super héros vilaine ou une super héros et une super vilaine pour ou un
super-héros ou une vilaine pour que... Citoyens de Métropolis, écoutez votre déesse. Trigon, le démon, s'éveille. Et il va conquérir cette dimension à l'aide d'un pouvoir qui dépasse l'entendement. Ne résistez pas. Soumettez-vous. Seules ces contrées survivront à la transformation de la Terre et verront l'avènement du règne de la magie sur les mortels. Donc, une super-héros, une super-vilaine, égale une super-héros, une super-vilaine pour jouer. Fait que venez avec moi dans ce beau petit jeu. C'est drôle, hein, mais beaucoup de monde... Je me demande s'il va y avoir beaucoup de monde qui va lire mon titre. Puis même le monde... Peut-être que le monde connaisse DC Universe Online, mais connaissent pas mon univers dans le sens... parce que moi, tu sais, j'ai réuni quand même l'univers des Pokémon dans ce jeu-là. Il faut le faire quand même. Il n'y a pas beaucoup de monde qui penserait à faire ça. Tu sais, penser à faire une super-héros ou une super-vilaine dans ce jeu-là, il y en a pas ben. Hein. On s'en cachera pas, là. Il y en a pas ben. Je vous reviens, ce sera pas long. Journal du préservateur. La forme convexe de la lune gibbeuse insuffle de l'énergie magique à la poussière.
ces gens. Finissons-en. Ici le directeur de l'aile Méta de Métropolis, Edouard Berganza. C'est officiel. Je donne ma démission. Je refuse de continuer à collaborer avec le docteur Edgar Cisco. Psycho a raison. Cet homme à la tête des recherches méta-humaines. Ces expériences moyenâgeuses n'ont rien à faire dans un hôpital moderne. Lex Luthor peut récupérer ses financements. J'appelle les autorités. La LexCorp a implanté des champs de confinement spéciaux dans ses méta. Si tu les actives, les méta ne te gêneront plus. Kara, c'est Kal-El. Lex Luthor cible en priorité les Kryptoniens pour leur ADN. Il a coincé Power Girl tout à l'heure pendant son discours à l'université de Métropolis. Il se pourrait bien que tu sois la prochaine cible. Fais attention. J'envoie nos nouveaux alliés en renfort. Ici Superman. Terminé.
Luthor pour la LexCorp. J'envoie une partie de nos nouveaux alliés en renfort pour maîtriser nos cobayes. Ah, j'oublie. Je sais que le docteur Psycho est toujours à l'intérieur. Certains des bêta qui se sont échappés portent toujours leur transcodeur génétique. Ne vous donnez pas la peine de les sortir de ce mauvais pas. S'il ne peut pas survivre seul, c'est qu'il ne vaut pas la peine d'être sauvé. Terminé. Les méta qui se sont échappés ont volé des documents confidentiels concernant nos traitements, afin de les remettre au Daily Planet. Nous devons récupérer ces documents avant qu'ils n'arrivent à la presse. Te donner la chance de quoi, Angel Tsugi? Tu peux me donner la chance? Tu veux que je te donne la chance pour? Pourquoi? Formule-moi un peu plus ta phrase, je ne comprends pas. Dans le jeu, tu parles ou dans la vraie vie? Ça, c'est la question ultime. Dans le jeu ou dans la vraie vie? Si c'est dans la vraie vie, oui, je pourrais bien. Dans le jeu, je sais pas comment je pourrais te donner de la chance. Là, vous allez voir comment quelqu'un connaît le jeu par cœur. Puis c'est même pas une joke. Hey, salope. Ça va, non? Hey! Ah, ok, toujours pas de shiny. Ah ben oui, je peux te donner de la chance. Mais tu parles à une mauvaise personne. Moi, j'ai jamais de chance. C'est arrivé... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est arrivé une fois que j'ai eu de la chance. En vrai, c'est vraiment... En vrai, là, j'ai vraiment eu une chance. Ça a été rare. Mais j'étais content. Parce que je me suis dit, enfin, la chance. Mais j'en ai pas tellement de la chance. Je trouve ça dommage, aïe aïe. Mais je suis pas mal sûr que tu vas l'avoir. Es-tu rare? Il est sûrement rare. Ça veut dire que si t'as de la misère à pogner. C'est vous qui m'avez dit ça. Arrêtez cette expérience, je vous en supplie. Ouais, dans Pokémon, c'est un peu dur de parler à quelqu'un, là. En réalité. Mais, ouais. C'est vous qui m'avez utilisé comme cobaye. Mais oui, je pourrais te donner de la chance. Je sais juste pas comment. Sérieux.
Mon chat vient de me bugger dans... Ah, ben ça, je serais capable de te faire ça. Envoyer de la bonne énergie. Tu vas l'avoir. Je suis pas mal sûr que tu vas l'avoir. Tu vas le trouver, tu vas être contente. Tu vas l'avoir. Pas mal sûr. Ça te rassure-tu, ça? Tu vas payer pour les expériences que tu m'as fait subir. Et je suis sincère. Ah, ben donc, c'était une étreinte. Hein. Oh, faites-le sortir de ma tête. Je veux rentrer chez moi. Recule. Je suis déjà niveau 13, mais non, arrête. Pas déjà. Tu te bats contre les ténèbres, hein. Ici Luthor. Comme d'habitude, le Daily Planet a eu vent de ce petit cafouillage. Il est impératif que toutes les communications soient verrouillées. Élimine les patients montés sur le toit de l'hôpital pour démolir mes appareils de brouillage. Et assure-toi que la liberté de la presse ait ses limites. Ah bon? T'as comment? Allez, c'est parti! Pourquoi la musique elle a changé? What the fuck? Si je te tue, tu ne... Qu'est-ce que je fais? What the fuck? La musique elle a changé, one shot. J'ai compris ça. Y'a-t-il une course 7 puis je sais pas. Ouais. Non merci. Ça me tentait pas. Certains de ces méta portent des appareils expérimentaux de développement. Les appareils sont complètement détraqués et, à en croire les rapports, les méta deviennent complètement fous. Nous devons éteindre les appareils afin de permettre leur transport. Calisse, ce bruit-là, je l'entends, là. C'est fou comment que j'entends facilement ça. C'est grâce à toi, Angel Tsuki, que je suis capable de découvrir... C'est grâce à toi que je suis capable de découvrir ça. Des Axobites. Regarde ça, c'est ça que je cherchais. Tu
T'es-tu ben, l'argent ça. Oh, j'en entends un autre. Je descends. Aussi, j'avoue qu'ils ont, ils ont changé le son. Ils ont mis ça plus fort. Oh my god, t'es qui toi? Maintenant que nous avons repris le contrôle des flux d'informations, montrons à la presse et à mes patients ce qui arrive. Sorry, mais pas de publicité dans ma chaîne. C'est un ban automatique. J'ai rien compris, puis tout ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait faire de la pub. C'est tout ce que j'ai compris. La première phrase, il disait « Allô, je viens juste ici pour faire un petit peu de pub, est-ce que j'ai le droit? » Puis malheureusement, il est anglophone. Moi, je parle pas anglais, premièrement. Puis deuxièmement, t'es dans une chaîne française, ça c'est la première affaire. Deuxièmement, je te banne automatique. Moi, c'est t'as pas de pub. Il y a un Français qui est venu à un moment donné, ou un Italien qui est venu à un moment donné. Il m'a écrit, m'a fait exactement ce qu'ils viennent de faire. Je commençais mon stream, ça faisait même pas 5 minutes que je faisais mon stream. Puis il y a une pub qui est arrivée de même. Non, je suis désolé, pas de pub dans ma chaîne. C'est une des affaires qui est interdite sur ma chaîne, c'est les pubs. Tu peux tout faire, mais c'est les pubs. Puis faut que tu me le demandes. Il faut que je te comprenne. Si tu me le demandes puis t'es anglophone, désolé, c'est non. Il me l'avait demandé, mais en anglais. Mais il m'a juste dit, est-ce que je peux faire une pub? Puis là, il m'a envoyé un paragraphe long de même. Moi, dans ma tête, c'est ça ta pub. Non, je suis désolé, tu viens pas faire ta pub dans ma tête. Dans le fond, ce que je veux dire par me demander, c'est dans le sens, si tu me le demandes en français. Tu me le demandes pas en anglais pour que je comprenne pas, puis que c'est clair que moi je te banne. Si t'es un anglophone, tu sors de nulle part, toi t'arrives, puis ah oh ouais, je te lance une pub de même. Il y en a bien qui font ça. Il y en a bien qui se sont essayés sur ma chaîne. Et ce sont toutes finies par être bannies. Malheureusement, c'est plate, mais c'est ça. Ils ont toutes fini par être bannies. D'ailleurs, j'ai jamais compris. Je leur ai pourtant dit et expliqué. Vous venez pas dans ma chaîne pour faire des pubs. Si vous venez faire des pubs, tu sais, un peu comme Kiwi Fun du Québec. Si, mettons, Kiwi Fun du Québec arrive de même, puis me demande pas de faire une pub, puis m'envoie un lien de même. Non, t'es qui, toi? Non, je suis désolé, Kiwi Fun du Québec, mais tu fais pas ça. Par contre, je serais capable de l'aviser avant. Je dirais non, tu recommences plus ça, parce que si tu recommences ça, c'est un ban. C'est un ban de 5 minutes. Pour lui, je serais capable de comprendre. Pour toi aussi, si t'as une pub à me faire, puis t'arrives de même, puis tu envoies la pub, je vais être capable de comprendre, Angel Suki, mais envoie-moi pas une pub en anglais de même, puis ah ouais, let's go! Quand je suis en train de m'amuser. Ici, on est fait pour avoir du fun,
pour avoir du fun et de l'enthousiasme. Faut que tu te présentes, faut que tu dises bonjour, comment ça va. Il faut que je te connaisse avant, faut qu'on ait une bonne relation. Si on n'a pas de relation, non, Just to Ban, c'est un ban automatique. C'est même pas une joke, c'est une ban automatique. Tu ne viens pas faire de la pub dans ma chaîne. C'est un ban automatique. C'est... Je n'ai pas traduit sur Google Traduction. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il m'a dit, c'est en anglais. Moi, je suis pas une chaîne anglaise. Peu importe, ma chaîne, c'est marqué français, QC français. Donc, des anglophones n'ont pas sa place. Oui, je serais capable de comprendre. Si l'anglophone, il est poli, il est gentil, parfait, je vais traduire, il n'y a pas de problème. Sauf que des messages comme tu viens de faire, un long paragraphe de même, moi, dans ma tête, c'est une pub. That's it, that's all. Si j'ai même pas besoin de traduire qu'une longue phrase anglaise de même, c'est direct une pub. Puis je le sais déjà. Puis pourtant, je ne parle pas anglais. Mais c'est parce que je côtoie tellement Twitch. Je côtoie tellement Twitch. Souvent, je suis quasiment tout le temps là. Que quand je m'en vais sur d'autres streamers font la même affaire que moi. Des anglophones viennent arriver de même puis marquent un paragraphe comme ça. Puis c'est comme... Il parlait du promotion. Ouais, il parlait du promotion, en effet. Sauf que, comme j'ai dit à Angel Suki, t'es nouveau, toi, là. OK, prends exemple. OK, je te remets en contexte une affaire, OK? Mettons, là, je m'en vais dans un... OK? Je m'en vais dans un stream, OK? Peu importe. Je m'en vais dans un stream que je connais pas. Direct. M'en va de même. Je m'en vais faire une promotion directement sur sa chaîne. Le streamer qui va être là avec moi, il va me regarder, il va me dire, ben t'es banni toi là. T'es banni. Tu fais pas de promotion dans ma chaîne. Qu'est-ce que tu fais là? T'arrives pas de même puis sans te connaître une promotion. Faut que tu développes un lien avec le streamer. T'arrives pas sur un stream pis « Ah ouais, on fait une pub! » Ou une promotion. Non, ça fait pas de même. Personne fait ça sur Twitch. Personne. Le monde qui se font ça se font tout kicker out de leur chaîne. Si tu fais pas ça, c'est irrespectueux. C'est du manque de respect face aux streamers. C'est totalement du manque de respect face aux streamers. Moi, je l'ai banni, that's it. Moi, ça a été clair depuis le début dans ma tête. C'est... Peu importe. T'arrives dans un stream, tu fais une pub en anglais ou en français. Même si c'est une promotion. Exemple, c'est une promotion. Je m'en fous un peu. Même si c'est une promotion. Le fait... d'avoir... Bonjour, Mr. Blitz. T'arrives au moment que je viens de kicker quelqu'un out de ma chaîne qui s'est fait bannir parce qu'il a fait une promotion. Puis c'est ce que j'essayais un peu de faire, d'expliquer un peu à Angel Suki. Puis je pense que Mr. Blitz en est une bonne preuve. Lui qui est un streamer, je suis pas mal sûr qu'il fait... Lui, il fait des streams en anglais. Lui, il aurait peut-être compris qu'est-ce que lui aurait dit. Sauf que, je suis pas mal sûr qu'il est de mon avis là-dessus, t'es pas ici pour faire de la pub ou de la promotion. Peu importe qu'est-ce que c'est. Peu importe. Hey, j'ai une affaire. Mettons là, j'ai une montre à acheter, que j'ai achetée. Je veux donner ça à la communauté. Je m'en vais dans un stream. Mettons, je m'en vais dans le stream de Mr. Blitz. Je m'en vais carrément écrire en anglais. Je viens pour faire une promotion d'une montre que j'ai reçue.
Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui voudrait... Mettons, je marque ça là, dans son chat. Tu penses que Mr. Blitz va me faire quoi? Il va peut-être pas me kicker out, parce qu'il me connaît très bien. Mais il va me dire, Max, ce que tu viens... Max. DJ, ce qu'il y a, ce que tu viens de faire. Non, non, ça se fait pas. T'sais, il va me dire, non, tu fais pas ça. C'est irrespectueux face au streamer. Tu vas pas dans un stream, puis tu arrives pas à faire... T'avais compris, Angel Suki? OK. C'est ça que j'avais pas compris. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est, t'arrives pas dans des streams de même, puis tu fais pas de pub. Moi, non, tu fais pas ça. C'est irrespectueux. Tu veux manquer de respect à un streamer, fais ça, si tu le manques vraiment très gros, le respect au streamer. Désolé, c'est totalement du manque de respect au streamer. Je suis là pour m'amuser, moi, là, tu sais. En plus, je joue à un de mes Pokémon quand même. Quand même un de mes préférés. Non, je te dirais que mon préféré, c'est Evoli. Mais je l'aime bien, lui, quand même. Je peux-tu me détruire, ça? Mais, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je te disais, c'est un ban automatique. C'est pas pour être méchant. C'est parce que c'est pas le premier qui me le fait. C'est, je pense, la... C'est, je pense, la cinquième personne qui me le fait. Ils m'ont fait ça à un moment donné quand je jouais à Pokémon. Même chose. Ils ont dit, hey, j'ai une promotion. Une personne en anglais a fait la même affaire. J'ai une promotion pour toi. J'étais en train de jouer à Pokémon. Écarlate. Puis... Pokémon Écarlate. Puis... Au début, j'avais pas catché direct. J'avais pas compris direct au début. Je me demandais qu'est-ce qu'il me voulait. Puis c'est... Puis il parlait un peu en français. Puis il disait, ah, ben j'ai une promotion. OK. J'ai fait OK, mais... Puis il s'est pas présenté, il y a rien. Il a lancé sa promotion de même, puis... OK. Il s'est fait bannir. Par contre, moi, je les banne pour toujours. Je les banne, sont bannis à vie à ma chaîne. Ceux qui font ça, ils sont bannis à vie à ma chaîne. Il faut vraiment que... Tu sais, comme toi, mettons, tu me dis... J'ai une promotion... DJ Skilia, j'ai une promotion. Est-ce que je peux le mettre sur ta chaîne? Là, c'est à moi de dire oui ou non. C'est sûr que moi, je te connais bien. Donc, je pourrais te dire oui. Tu sais, un peu comme les liens. Tu envoies pas des liens... Ça, c'est un des gars qui avait fait ça à un moment donné. Il m'avait envoyé un lien de même, direct. Lui, il s'est pas présenté. Lui, il s'est dit, je me présente pas, moi, je m'en vais dans sa chaîne, là, puis je vais me mettre un lien. Cressy, où? Je l'entends. Il était tout proche, je l'entendais. Puis il arrive tout d'un coup, puis il dit... Il arrive de même puis il dit, hey, je vais me mettre un lien de même. Mais il fait un lien comme ça. No hard de même. Je pense que je jouais à Pokémon. Qu'est-ce que j'ai dit à Kiwi Fan du Québec? J'ai dit, banne-moi ça. Ici Lois Lane pour le Daily Planet Live. Il l'a banni. Il l'a banni. Il l'a banni, je sais pas pour combien de temps, mais il l'a banni. Moi, j'ai dit, je veux que tu le bannisses. Puis bannir à vie, là. Moi, ils sont bannis à vie complètement, là. Puis je les débloque pas. C'est, je pense, la troisième. Attends, je vais te dire ça. Attends un peu. Je vais te dire ça, là. Combien que ça fait. Combien de personnes qui sont bannies en ce moment?
Je vais te dire ça. Bonsoir, Kiwi Fan du Québec. T'arrives au bon moment. T'arrives au moment où ce que je disais à Angel Suki, qu'il y en avait un qui parlait de... qui avait fait un lien de même. C'est sûr que les liens, c'est un peu plus touché. Il faut que tu ailles des bonnes raisons. Et il faut que tu me le demandes aussi. Si moi, je te dis... Si tu me demandes gentiment, tu me dis, est-ce que je peux t'envoyer un lien? Je vais faire, ben oui, tu peux envoyer un lien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Excusez-moi, je suis en train d'un peu arranger mes affaires. Je viens de voir que j'ai commencé, mais j'ai pas rien fait. C'est comme ça, moi. Puis j'ai, tu sais, ça c'est arrivé que Kiwi Fan du Québec me faisait ça, puis j'ai fait, ben oui, tu peux m'envoyer un lien. Il y a pas de problème. Je te connais bien. Mais t'arrives pas dans un moment de même. Je vais te dire vraiment le monde là qui sont bannis en ce moment de ma chaîne. Je peux-tu les voir? Chaîne. C'est ça? Non. Non. Voyons, ils sont où? Comment ça va, Kiwi Fan du Québec? Hey, je suis en train de me faire tabasser pendant que je suis en train de rechercher. Hey! Je suis en train de rechercher quelque chose, tu vois? Ah, je veux juste voir les... Ah, je peux pas voir les personnes qui sont bannies? Sérieux? Pour vrai? Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ça. Je pensais que je pouvais les voir. Ah, c'est dommage. Je peux pas les voir. Mais je pense que c'est ça. Ils sont... Je pense 3 ou 4. Super. Bon, tu dois être content. Mais ouais, c'est ça. Tu dois être content de ça. Parce que ce qui est arrivé, t'es arrivé. Ce qui est arrivé, Kiwi Fan du Québec, t'es arrivé au moment qu'il y a quelqu'un juste un peu avant que t'arrives. J'ai eu quelqu'un qui a fait une promotion. Mais il me l'a dit, bien gentiment. Il m'a dit, est-ce que je peux faire une pub? Il m'a pas tout à fait traduit qu'est-ce qui était. J'ai pas tout à fait traduit qu'est-ce qui était, mais il parlait en anglais. Puis, ben, disons que. Quand que j'ai vu le long message qu'il m'a envoyé, ben il s'est fait ban. Tout simplement. C'est premièrement, c'est respectueux. Pour moi, je trouve que c'est du manque de respect là. Non.
Bon, vraiment l'os de canard. C'est pas bien ça, non? C'est pas parfait? Hein? Comment tu sais ça, toi? Comment t'as fait pour savoir? Combien que j'ai banni de monde? Comment t'as fait? C'est ça que je veux voir depuis tantôt. Comment t'as fait ça? Hein? Je veux savoir comment t'as fait. Dans l'historique des actions. Hein? T'as été mou pour voir ça, sérieux? Sérieusement, t'as été où pour voir ça? Shanaka. Comment t'as fait pour aller voir dans l'historique des actions? Gains-moi donc. Comment t'as fait pour voir ça? Ah! Ben oui, regarde ça, tu le vois. Arrête-moi donc, je peux faire des demandes de récompense. Arrêtez-moi donc ça. Attendez, je vais traduire ce qui était marqué. Oh wow, ok, il est vraiment cave. Puis il pense que j'aurais accepté ça. Sérieux? Excusez-moi. Il est stupide. Il est sérieusement cave. Savez-vous qu'est-ce qui est marqué? Ok, attendez. Attendez là, donnez-moi des petites secondes. Je vais juste m'enlever de là. Attends un peu, écrivez-moi pas, je suis pas en train de lire là pour l'instant. Ça sera pas long, je vais vous lire là, ça sera pas long. Bon, je vais juste un peu me mettre en hauteur. Ok. Checkez bien qu'est-ce qui est marqué, ok? Checkez bien. Il marque... Ouais, ben c'est ça justement. Regardez bien. La différence entre une vraie personne et un bot, ok? Ça, c'est un bot. Je vais vous dire pourquoi. Parce que regarde bien comment c'est marqué. Bonjour, désolé de vous déranger. Je souhaite offrir la promotion de votre chaîne et de vos téléspectateurs, de vos abonnés, de vos vues, de vos chaînes, etc. Le prix est inférieur à celui de n'importe quel concurrent. La qualité est garantie d'être le meilleur panneau de jeu. D'être le meilleur. Panneau de gestion de commandes flexibles et pratique. Panneau de discussion, tout est en votre main. Allumé et éteigné, personnalisé, allez sur... Puis là, ils le disent. OK?
Malheureusement, ça, c'est une arnaque. Ça, beaucoup de monde vont dire « Hey, une promotion? Parfait, je vais embarquer. » Vois-tu, Angel Suki? Quand je vois ces messages-là, premièrement, ça me fait dire que c'est un bot, comme un peu Kiwi dit. C'est pas une vraie personne, c'est vraiment un bot. Puis deuxièmement, il envoie le lien de où ce qu'on peut faire. Mais si on s'en va là-dessus, je perds tout. Ça veut dire qu'il va avoir accès à toutes mes affaires. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi je ferais ça? Pourquoi? Là, on le voit que c'est un arnaque totale. C'est pour ça que je l'ai banni. Tu bannis une personne, premièrement, que c'est un robot, puis deuxièmement, la phrase, il n'y a pas de faute, il n'y a rien. C'est comme, je regarde ça, puis je fais, OK, tu penses vraiment que je vais embarquer dans ton bateau? Non, pas en tout. C'est pour ça que je l'ai un peu banni. Merci, Kiwi Fan du Québec. C'est pour ça que je l'ai banni. En réalité, je sais pas comment t'as fait pour voir combien de personnes que j'ai banni, mon homme. J'aimerais ça voir combien de personnes que j'ai banni dans ma chaîne. Je comprends pas ta question, Kiwi Fan du Québec. Est-ce que tes ou les actions des modérateurs? Qu'est-ce que tu veux dire par les actions des modérateurs? Puis là, c'est vraiment moi qui l'ai banni. Mais combien? Comment? Ah, sans action. C'est... Ah. Moi, j'ai la vue, j'ai toutes les vues. En ce moment, j'ai la vue, oui, j'ai une vue des modos là en ce moment. J'ai vraiment la vue des modos en ce moment. Chose que je ne vois pas. Par contre, moi, je vois pas ça de même. Tu vois action du modérateur? Non, pas en tout. C'est drôle, hein, mais non, je le... Ah oui, je le vois, les actions... Oui, je vois les actions du modérateur. Ouais. Qu'est-ce que je fais avec les actions du modérateur? Là, oui, là, je le vois. Ouais, c'est là que j'ai vu que j'ai banni lui. Ouais. Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre personnes. Il y a quatre personnes qui se sont faites bannir. Ouais, ben c'est ça. Il y en a un que j'ai annulé le bannissement, mais... Attends, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Il y a 19 bannissements en tout sur ma chaîne. C'est la 19e personne qui me fait le même coup. C'est fou, hein, pareil? C'est fou, hein? C'est là qu'on se rend compte que Twitch est plus comme avant. Je trouve ça plate, par contre. À cette heure, faut vraiment faire très attention sur Twitch avec les bots. Les bots, ils sont énormément présents. Puis il faut vraiment, en tant que streamer, faire très attention. Pour pas que... J'ai juste trouvé un char. Oui, là. Ben, je sais que c'est pas faux. Franchement. C'est ça qui est dommage, par contre. Sur Twitch, moi je me disais, ah, c'est le fun de streamer sur Twitch. Oui, mais c'est le fun. Sauf que c'est plate quand il arrive des affaires comme ça. Mes avocats s'occuperont de nous sauver la mise. Finalement, il aura bien fait d'envoyer Supergirl. Rends-toi à l'hôpital et sers-toi de la kryptonite pour obtenir un échantillon de son ADN. Oh, what? Profites-en pour retrouver le docteur Psycho, qu'il puisse répondre de tout ce foutoir. Oh, 58 restants. Ah, oh, offre-moi pas de jeu. Offre-moi pas de jeu, Kiwi Fantasy Québec. J'ai tellement un ordi qui est tellement saturé de jeux. Je te verrai pas. Achète-moi en pas parce que déjà que là, je suis pris avec plusieurs autres jeux. Là, j'ai installé des Assassin's Creed que je vais faire en stream. Puis il y a aussi d'autres jeux, tu sais. Il y a aussi d'autres jeux, là, je joue sur Steam présentement, mais j'ai tellement d'autres jeux que je vais jouer. J'ai tellement de jeux que je me dis, garde, je ne m'en pas d'autres. Parce qu'après Batman, n'oubliez pas, hein, après... j'ai installé Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed 2D, et j'ai Assassin's Creed que j'avais déjà, Unity... qui était de France. Fait que ouais, j'ai installé ces deux jeux-là d'Ubisoft, les deux Assassin's Creed-là que je voudrais jouer. Oui, Black Flag. Tu connais Black Flag, j'espère? Si tu connais pas Black Flag, va falloir que je te le montre. Lex veut savoir pourquoi l'opération a mal tourné. Il veut savoir exactement. On peut plus jouer à multi. Alors, inutile de revenir me voir si tu n'as rien trouvé de concret. Sur Black Flag, on peut plus jouer à multi. On peut plus jouer à multi sur Black Flag, c'est trop vieux. Hein? Non, ils ont fermé la boutique. Ils ont fermé le multijoueur. Parce que c'est trop un vieux jeu. La dernière fois, j'ai essayé de le faire. Ils ont pas voulu. La dernière fois, j'ai installé Black Flag. Ils ont pas voulu parce que, justement, le mode multijoueur il était fermé.
parce que ça faisait trop longtemps. Ils ont fermé le serveur. Peut-être que je me trompe d'assassin aussi, d'assassin queen, là, mais me semble que c'était bien Black Flag, me semble. Mais pour vrai, sur Steam, j'ai remarqué, il y a un jeu que j'aimerais... J'ai des jeux que j'aimerais avoir, mais ils sont quand même assez chers là, pour l'instant. Il y a... sur Steam, là, il y a un jeu que j'aimerais avoir... puis je vous dirai pas le nom, parce que je l'ai oublié. Donnez-moi deux petites secondes, je vais aller visiter ça, je vais aller vous dire, ok? Il y a un jeu que j'aimerais avoir. Hein, regardons ça, Goliath Depot. C'est un jeu que je vais acheter, ça aussi. Goliath Depot, ça, c'est un bon jeu aussi. Je vais l'acheter, mais pas tout de suite. Ça serait RoboQuest. RoboQuest, qui est un peu... un jeu entre similaire... RoboQuest, c'est comme un jeu similaire à Gunfire Robin et... j'ai pas le nom dans la bouche. C'est un jeu comme Gunfire Robin, qui est un mélange entre Gunfire Robin et... comment qu'on appelle ça aussi, le jeu... qui est vraiment très, très, très populaire, là. Bundaland! Merci. Fallait, je le trouve. Qui est un peu similaire à Bundaland, puis un peu à ça. Que ça, ce serait un jeu que j'aimerais jouer. Mais je vous dirais que c'est ça le jeu que j'aimerais avoir. Mais il coûte cher, par contre. Il coûte 34$. J'attends qu'il soit en spécial. Calme-toi. Je suis ici pour t'aider. Nous devons remettre ces métapatients dans les chambres de reséquençage au plus vite avant que leur ADN ne soit corrompu. Ça va nous coûter des milliards. Je m'occupe de les mettre en stase pendant que tu les places dans le téléporteur. Pouvoir méta pour toutes sortes de produits. Qu'ils soient plasma, pétrole ou je ne sais quoi. Ah! Ça se peut. Je vais te tester voir. Je vais tester parce qu'il me semble que c'est celui-là que j'ai testé. Ça se peut que t'aies raison. Va tester voir. C'est ça, Supergirl. Viens, t'en. Tiens bon, je vais te sortir de là. Non, 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 tu sortiras pas de personne de là. Au secours! Quelqu'un, allez! Ah, ouais. Oh la maudite. I'm Brian. N'aie pas peur, je vais te libérer en un rien de temps. Qu'est-ce que je t'ai fait? Merci. Quelque chose comme ça que tu capteras quelqu'un, je te ferai souffrir autant qu'eux. S'il vous plaît, vous devez nous aider. Yay! Marche maintenant. Lâche-le! Au secours! Au secours! Allez, allez! Où est la sortie? Je l'ai emprisonné. Je vais te libérer. Tiens bon.
Oh mon tabarnak. Je crains que ta petite tentative d'évasion n'ait tourné à l'échec. Laisse-le tranquille. Tu arrives trop tard, Supergirl. Si tu tentes de les sortir de leur chambre de confinement sans les codes appropriés, tu les condamnes à une mort certaine. Il suffit de récupérer les codes contenus dans cet ordinateur central. C'est ça? Vite! Rends-toi jusqu'aux ordinateurs principaux et arrête-la! Détruis-les s'il le faut, mais ne la laisse pas s'emparer des codes! Peut-être que je me trompe aussi avec un autre Assassin's Creed aussi. Kiwi Fun du Québec. Je tiens à le dire là. Il me faut ces codes pour libérer les prisonniers. J'en ai assez de devoir mettre des vies en danger. Tu vas répondre de tes actes devant la justice. Il me faut ces codes. Ok. Tu l'auras cherché. Allez, vas-y. Je dois arrêter cet incendie. Tu vas mourir. Je mourrai pas. Je sais. J'aime ça faire ça. Si je ne fais rien, il sera brûlé vif. Tu peux perdre mon temps. Si je ne peux pas utiliser cet ordinateur, j'obtiendrai ces codes auprès du docteur Psycho. Puis moi, ben, je vais monter en haut. Je peux pas me contrôler. Les expériences, elles me rendent furieux. J'adore mon Brian. Le contrôle des ténèbres, j'adore. Journal du docteur Cisco, projet Méta Recherche. À quoi tu parles? T'as pas joué beaucoup à ça? Ah oui, pis faut que je te dise, Kiwi Fun du Québec, moi j'ai tous les pouvoirs. Hein. Ça fait des années que je joue à ce jeu-là, fait que moi j'ai tous les pouvoirs. Un peu comme Angel Suki. Angel Suki, elle a tous les pouvoirs quasiment. Parce qu'on a quasiment eu les mêmes affaires en même temps. Mais ouais, on a quasiment tous eu les mêmes pouvoirs. Journal du docteur Cisco, projet Méta Recherche, 13e jour. Les recherches. Oh mon dieu! Aujourd'hui, nous. T'es juste niveau 3 et plus? Elle a libéré quelques-uns de nos cobayes! Il faut! My god, ok. Mais il fonctionne! Ah, j'ai dû me tromper d'Assassin's Creed. Eh oui! C'est ah bon, ok. Où comptes-tu t'enfuir maintenant? Eh ben, j'ai dû me tromper d'Assassin's Creed. Je pense que c'était Unity. Ça se pourrait-tu que ça soit Unity? Je pense que c'est Unity qui fonctionnait pas alors. T'as
Parce que je sais qu'il y a un Assassin's Creed que je jouais. Ils ont bloqué la kryptonite. Il faut que je trouve la kryptonite. La kryptonite? Mais où? Comment? Lex Luthor, je te hais! Ah non, pas pour vrai! Tu vas l'avoir, Angel Suki. Désespère pas. Qu'est-ce que tu as fait? Je te revaudrai ça. Et je ne serai pas seule. J'aurais pu m'occuper de Supergirl, mais je préparais mon prochain coup, avec les mains liées. Je sais, je m'assurerai que mon bon ami Lex Luthor t'engage à nouveau. Et voilà. Vous voulez voir le monde comme je le vois? C'est facile! Représentez-vous tout ce que vous désirez, mais ne pouvez pas avoir. Et multipliez ça par 10 000. Tout le monde se moque de vous. Vous pousse à bout. Jusqu'à ce que vous preniez le pouvoir. T'as pas Assassin's Creed Unity? Parce que j'ai essayé Assassin's Creed Unity. Je sais que j'ai essayé un Assassin's Creed. Et quand j'aurai ce que je désire. Mais c'est pas Assassin's Creed 3. Seul à rire. Non? Ah ben connisse. J'ai essayé Assassin's Creed Unity en multijoueur, puis ça a pas fonctionné. Comment ça se fait que ça a pas fonctionné? Sûrement qu'il y avait plus de monde. Je sais pas. Je trouve ça bizarre des fois. Dans la vie, faut pas comprendre. Hein. Ça, j'ai compris ça. Là. Dans la vie, faut pas comprendre. Mais je sais que j'en ai essayé un Assassin's Creed et ça n'a pas fonctionné. Puis c'était pas Assassin's Creed 3 parce que je l'ai jamais installé. Le seul qui était déjà installé sur mon... sur mon ordinateur, c'était Assassin's Creed Unity. C'est pour ça que je dis... c'est ça. Déjà? Ok. Ben correct. Écoute, moi j'ai bientôt fini là. Je m'en vais valider ma mission. Quelle heure là? Fait combien de temps que je suis en stream? 2 heures, ouais. Je sais pas encore. Je te dirais probablement pas parce que j'ai vraiment envie d'un congé. Surtout que là, je viens d'apprendre qu'en fin de semaine, je pourrais peut-être pas streamer non plus. Peut-être samedi, mais pas dimanche. Dimanche, je ne streamerai pas parce que c'est la veille de Noël, puis je pense que tout le monde va fêter Noël. Samedi, j'aimerais ça faire un stream. Mais ça c'est si je peux, sinon je vais faire un stream de soir, samedi. Mais c'est sûr qu'il y a un stream vendredi, ça c'est sûr, net et précis. Demain, non, j'aime mieux prendre congé pour me reposer un peu plus. Parce que j'ai d'autres choses à faire, surtout que là je veux arranger ton image. Fait que demain, je vais peut-être faire ça. J'ai bien dit peut-être. J'aime les musiques aussi. Mais c'est pas cette musique-là que j'aime. Saviez-vous laquelle musique que j'aime bien dans ce dessin? Mais t'es pas venu me voir, toi. Tu as fait du bon boulot en étouffant cette affaire. Les choses auraient pu bonne nuit. Tourner sur t'aurais pu jouer avec moi, hein? Il y a de l'animation à Gotham.
Va parler à Double Face pour en savoir plus. Il t'attend à la boîte de nuit de Burnley Nord. Ne le fixe pas dans les yeux, il déteste ça. Je vais tellement faire ça. Pas encore commencé le jeu, calice. Chris, sont tous dans le même clan. Ok. Bon, mais en tout cas, bonne nuit, Kiwi Fans Québec. Arc, non? Arc. Ah, si, on peut pas mettre l'autre musique? Je déteste cette musique. Besoin de quelque chose? Non, j'ai juste besoin de vendre. Vendre, 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 vendre. Thank you. Catwoman. Si tu me demandes. Tu pourrais tirer à pile ou face? Face, on fonce tous les deux à Amusement Mile et on aide le Joker à en découdre avec les flics. Bill, on laisse Batman se charger du Joker. Mais j'ai déjà tiré pour toi. On se retrouve là-bas. T'as jamais l'impression que les choses n'explosent pas assez vite? Règle ce problème en venant à ma petite fête à Amusement Park. Fuck, je déteste le Joker. Ma nouvelle toxine sur le GCPD. C'est du tonnerre! Le Joker a demandé que tu le rejoignes à Cap Carmine. Ça sent la baston. T'es un peu si. Comment elle s'appelle? Liliane. Je suis vraiment un des seuls de tout DC univers. Je suis un des seuls qui utilise des personnages de Pokémon. C'est fou, hein, pareil. Éventuellement, cet épisode-là, celui que je tourne en ce moment, va être directement sur mon rang. Non, ça va être sur mon DC Universe. Mon clan de DC Universe. Hey, je vous dis. Mais moi aussi, je vais être obligé de lâcher dans pas long. J'ai quand même commencé tard mon stream. Je sais pas pourquoi. À cause de ça. Ah. Au moins, vous avez vu un peu le Noël. Chris, c'est toi des ennemis, c'est quoi? En charge. Veux-tu me laisser tranquille, policier de...
C'est une belle ville quand même, Gotham. Avec l'aspect de Noël. Ils ont vraiment bien travaillé DC là-dessus. La compagnie qui a fait DC Universe Online ont bien travaillé là-dessus. Regardez toutes les lampadaires. Ils sont toutes décorées. Oh. Je t'aurais jamais vu. Ah non, mais pour vrai, j'ai vraiment les oreilles pour ça. Puis en plus, ça nous donne des faveurs d'alliés. J'aime ça. Va être là. Je sais pas comment j'ai fait. Ça, je l'aurais jamais vu. My God, j'aurais jamais vu ça. Bien au chaud dans mon crâne. Et crois-moi, personne ne veut entrer là-dedans. T'es sûr? Voyons, j'en ai donc bien rencontré de ça, mais... Non, y a pas quelqu'un qui... Ah oui, pas juste chapiteau. Au, au, au. Au, au. Ah, c'est moi. Ma pièce me dit que je travaille pour le Joker. Pour l'instant, du moins. Tout comme toi. Les flics ont arrêté certains des clowns du Joker. Bill ou Face, tu penses pouvoir les libérer? C'est pas lui que tu voulais. Ah, dommage. Tu vas y arriver. Hey!
va me péter des mains. On va me péter des mains. Oh, qu'est-ce qu'on rigole! Qui n'a jamais rêvé d'essayer la poignée de main à 10 000 volts? Il y a juste les fous qui font ça. Moi, je suis pas un fou. Je crois que je t'ai pas vu. La toxine du Joker n'est pas une blague. Harley et lui sont en train d'en mettre au point une nouvelle version mortelle à Amusement Mile. Alors si tu veux rester en bonne santé, tire-toi. Et vite. Excusez-moi, j'ai attendu quelque chose, puis ça m'a comme... Et je l'entends. Juste à plein air. Prodige a refusé de sourire. Je crois savoir depuis que j'ai cette mauvaise habitude. Ah.
libre comme un oiseau. Fais-moi... Les mains en l'air, jetez vos armes. Appelez du renfort. Il est mort. Centrale! Centrale! Ici le sergent Carlin au parc d'attractions Amusement Mile. Les clowns du Joker utilisent une sorte de nouvelle toxine. Ça leur a fait quelque chose. Ils sont complètement fous. Nous avons besoin de renforts, je répète. Envoyez des renforts. J'ai levé mon petit doigt. J'ai à peine levé mon petit doigt. See you. Je l'entends, je le vois pas. Je l'entends, mais je le vois pas. Tu crois que je t'ai pas vu? La toxine du Joker n'est pas une blague. Harley et lui sont en train d'en mettre au point une nouvelle version mortelle à Amusement Mile. Alors si tu veux rester en bonne santé, tire-toi. Et vite. Les mains en l'air, jetez vos armes! Tu sais, cette nouvelle toxine a vraiment quelque chose de spécial. J'ai planté un masque à gaz pour toi à l'intérieur d'un de ces jolis cadeaux. L'autre contient de jolies surprises à mourir de rire. Mais une fête sans jeu, c'est pas une fête. Hein?
désolé, je n'ai pas compris cette réponse. Tout est parti. Autant le faire dans un grand monde. Toute résistance est inutile. C'est la grande finale. Adieu. Je vais mourir. Dans quel bateau je me suis mis, Calice? Vous pouvez même pas imaginer comment ça peut me faire chier. Pas un mot. J'ai jamais été mort là. Jamais. Là, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, ça a bien l'air que j'ai pas de chance. Hein? On parlait de chance tantôt. Ça, c'est ce qu'on n'est pas de chance. Mais je pense que je vais arrêter ça là parce que l'affaire, c'est que ça va se fermer dans pas long. On n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Je le sais déjà qu'on n'aura pas le temps. En plus, faut que je rentre dans la maison, que je fasse. Fait qu'on va continuer ça. Ben, une autre journée. Je sais pas quand, parce que la semaine prochaine, vu qu'il manque une journée de moins, c'est sûr que la semaine prochaine, non. Puis vendredi, ben, je joue à Pokémon. Donc... Puis peut-être que mercredi prochain, je vais jouer à un autre jeu. Donc... Non. Fait qu'on va y rejouer quand, je sais pas. Mais on va y rejouer. Mais... Sur ce, moi, je vais vous mettre avec mon petit générique de fin. Puis ben, on se revoit vendredi pour un autre stream. 7h. On va commencer aux alentours de 7h vendredi. Fait que sur ce, je vous souhaite de passer une agréable nuit. Et ciao tout le monde. Je ne ferai pas de raid aujourd'hui si je me tente pas. Fait que sur ce, moi je vous laisse. Avec sur ce, je vous laisse. Ciao.